les élèves, bienvenue sur la chaîne du professeur Marcel. Ça fait un petit moment que cette chaîne n'est pas active et je crois que c'est le bon moment de la réactiver un peu. Comme on le sait, on ne se verra plus physiquement jusqu'au 30 avril. On est passé par rapport à la pandémie du coronavirus à un mode plus de confort, mais vraiment un mode où tout le monde doit faire attention et tout le monde doit jouer un rôle. Et du coup, en effet, on va éviter les rencontres physiques. On va continuer à bien se laver les mains, tousser dans son coude, etc. Et comme je vous l'ai dit dans mes cours de sciences, continuez vraiment à faire un effort sur ces gestes-là, c'est important. On va continuer, nous, les enseignants, à vous donner du travail, à regarder un petit peu votre progression. Donc je me suis dit, tiens, je fais une petite vidéo ce matin, histoire de vous expliquer un peu ce que ça va donner. Du coup, ce que ça va donner, ça va donner quelque chose d'assez particulier. Pour ma classe, la 11M, pour les maths, on va continuer à bosser un peu, comme on l'a dit un petit peu vendredi après-midi. Là, vous avez des devoirs pour lundi, donc ça, c'est chouette. Je vais faire quelques vidéos tuto. On va voir si on va arriver à mettre peut-être quelques fois par semaine un cours en ligne, en vidéoconférence. Ça, c'est un truc, on va bosser un peu dessus. J'attends aussi les nouvelles officielles de l'État, savoir ce que eux nous conseillent, donc j'en saurai un peu plus lundi. Pour mes classes de sciences, pour la 10B et la 10D, on continue les exposés, donc je vous ai donné le travail à faire pour vendredi prochain, donc ça reste, tout est en ligne, vous pouvez tout faire, vous pouvez m'envoyer peut-être des mails si vous avez des questions, mais on garde cette date-là, histoire de garder un joli petit rythme de travail. Pour ma classe 9R, les plantons de tomates qu'on a repiqués vendredi ensemble, moi je vais m'en occuper. Lundi, de toute façon, je dois aller au CO, donc je verrai bien. Je vais m'occuper de vos plantons et peut-être on trouvera une solution pour ceux qui en ont et qui voulaient les ramener à la maison, les prendre à la maison, histoire de les regarder pousser. Ou bien je vous ferai une petite vidéo pour que vous les voyez pousser, parce que jusqu'au 30 avril, ils sont presque prêts à mettre à l'extérieur. Pour ma classe 9D, continuez les sciences, apprenez les os par cœur. Le système squelettique compte pas mal d'eau, donc je pense qu'il y a pas mal de boulot. Et continuez à faire ça. Pour ce qui est de mes classes mythiques, on verra, parce que finalement, on avait prévu de faire ces petites vidéos avec la 11R, et du coup, ça, on verra comment on va les faire. Avec ma classe 11M, on va continuer le magazine, je pense qu'en ligne, ça, on peut le faire. Vos textes sont quasiment finis, donc on garde la date jeudi, vous finissez vos textes, et puis on pourra peut-être trouver une solution pour faire ça en ligne. On aura le temps jusqu'au 30 avril de peaufiner un peu cette idée de magazine. Allez, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien, lundi je pense que pour vous il n'y aura pas grand chose, vous pouvez faire en tout cas pour ma classe 11M les maths, pour les autres prenez un bon livre, prenez le temps de lire, prenez le temps de rêver, prenez le temps de dessiner, d'écouter de la musique et la nature se réveille, donc profitez de regarder pousser, évitez de vous voir, évitez les contacts physiques, respectez les règles que la Confédération vous a données. Et j'espère qu'on se voit physiquement très bientôt. Allez, ciao, ciao !